Salut tout le monde, c'est Vanrak et on se retrouve pour le quatrième épisode de Ratchet & Clank Rift Apart. Donc la dernière fois nous avions terminé Sargasso. Enfin, on avait fait la coupe de bronze chez Zurki. Et après on avait eu donc un appel nous disant que Trudy, une espèce de dragon, avait besoin d'aide. Du coup on est revenu sur Sargasso pour donner un coup de main, et puis au final, comme vous pouvez le voir, on a le robot espion, les trois boulons dorés et les quatre costumes, ce qui fait que la progression est à 100% sur cette planète, en tout cas pour l'instant, si ça ne change pas par la suite. Et nous avions donc deux destinations possibles, soit Savali, soit Blizzard 1. Là, c'est pour trouver du quartz aphasique, et là, c'est pour trouver des plans du dimensionnateur pour en faire un nouveau. Donc je pense qu'on va commencer par Savali, on va faire dans l'ordre. Hein. Et du coup on va changer, on va passer de Rivet à Ratchet. Après tout ça fait deux épisodes qu'on a avec Rivet. On va changer un petit peu quoi. On va changer un petit peu de temps en temps. Ok, on dirait des espèces de fruits du dragon, ça. Des sortes de fruits du dragon. Ah, il y a un raritanium, là. Hop. Je te le pique, hein. Salut, j'ai une question bizarre. Vous ne sauriez pas comment fabriquer un dimensionnateur, par hasard? Ratchet? Ratchet! Gary, ta réputation te précède. Tu dois te rendre aux archives interdimensionnelles. Mon apprenti t'aidera, mais... La ville est attaquée. Comment tu l'as su? Je vais y jeter un œil. Je crois me souvenir comment faire pour arrêter une invasion. Comment tu l'as su? Je suppose que les types à la solde de Nefarius sont à la recherche d'un Lombax. Les explosions peut-être, non? Ce bâtiment juste après le village, c'est sûrement les archives. Un gros sniper volant. C'est nouveau ça. J'y suis pour rien moi si le Lombax s'est enfui. Allez, bon, niveau 3 peut-être, non? Oh merde. On va peut-être faire monter un petit peu le champignon, effectivement. Hein. Oui, je vous laisse bloquer dans la pierre. Essaye de fouiller hein, pour trouver des trucs. Essaye de faire au maximum ce qu'on peut. Ça évite de revenir sur les planètes après. Mon pote, j'aime pas le jeu, mais. Si on peut s'éviter. Chance inouïe d'avoir un dirigeant aussi intelligent que Vanier. Viens donc, à la dure.
Oh. Faut se calmer. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Allez, let's go là-dessus. Ah zut, loupé. Elle remonte. Ah bah il est descendu du coup. Encore une ville de sauver. Ok. Maintenant, passons aux archives. Du coup, il y a un truc là. Tiens donc. Tiens donc. C'est sûr que si tu l'indiques pas sous la carte, tu vas pas le savoir là. Gary m'a dit que son apprenti se trouvait aux archives. Franchement. Déjà faut voir les escaliers et tout. Hein. Là j'avais même pas vu qu'il y avait des escaliers, c'est pour dire. L'atterrissage a vraiment été brutal. Qui es-tu? Désolé, je... Tu me rappelles quelqu'un. Moi, c'est Ratchet. Je suis venu trouver quelqu'un qui serait l'apprenti de Gary. Il faut que je construise un dimensionnateur. Oh, je vois. Eh bien, je ne pourrais pas faire grand-chose vu que mes archives ont pris la fuite. Comment vais-je y retourner? Oh, c'est toi l'apprenti. Et si... Et si on faisait équipe, tous les deux, hein? Je ne suis pas une bonne partenaire. Oh. J'ai une idée. Si les choses tournent mal, ce qui n'arrivera pas, on se séparera sans poser de questions. Partenaire? D'accord. Partenaire. Pour l'instant. Pour accéder aux archives, nous devons d'abord libérer les moines des forces de Nefarious. Prends ces overbots. Elles nous permettront de traverser plus vite le plateau. Ah oui, ça va être bien, ça. Faut que j'accélère si je veux sauter du haut du pont. Oui, ça va être bien, ça. Pour se déplacer, ça va être beaucoup mieux. J'ai plus de balles. Pourquoi changer? D'autres soldats de l'empereur. Les moines sont en sécurité derrière le champ énergétique. Pour l'instant. Jamais de balles de rien, c'est énervant. Hein. Je ne
Ça a pas l'air très efficace. Hein. Des robots snipers. Ouh. Ouh, des robots snipers. Toutes les forces impériales ont été éliminées. Merci, Ratchet. Toujours prêt à aider et à botter les fesses des soldats de Nefarious. Ratchet, ce terminal, il faut que j'y accède. Mes frères, quel soulagement de vous voir sains et saufs. C'est vraiment merveilleux de te revoir, sœur KT-7461. Les soldats de Nefarious ont-ils déjà trouvé les autres temples? Je l'ignore. Mais on préviendra frère Gary que vous nous avez sauvés. Je vous souhaite bonne chance. À tout vite. Ok, les autres ils sont marqués quelque part. Bon, ah tiens, j'ai loupé un truc. Un temple de fait, plus que deux. Je sais que les moines essaient d'être forts. Mais ils n'ont pas conscience de la cruauté de l'empereur. Tout ira bien pour eux. On est là. KT-7461, est-ce que tu as un surnom? Les moines m'appellent sœur. C'est plus un titre qu'un surnom, ça. Voyons, que penses-tu? J'ai trouvé. Soleil. Je parle du surnom, parce que... C'est jaune. Non, merci. Kit? Bon, on finira bien par trouver. Il y a trois temples près d'ici. Le temple de la montagne, le temple de la forêt primaire et le temple des Badlands. Leurs noms sont plutôt explicites. Ok, il y en a un par là. Allez, let's go. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas marqués. Maintenant, ils nous le disent. Super. Ah putain, jamais de balle. Ça, c'est un gros problème de jamais en avoir. C'est bon? Ok, alors. Du coup. Ça, c'est quoi? Étude de la culture lombate? Bon, bah, je veux ça. C'est facultatif, mais je veux. Vas-y. Bien sûr que si, de la famille des chasseurs de mystères. Hé, hey, mate un peu ça.
un hôtel très ancien construit par les Lombax. Il renferme un lorbe bourré d'informations ancestrales. Mais malheureusement, seul un Lombax peut percer ses secrets. Si tu acceptes de m'apporter 3 lorbes, je te donnerai en échange une super pièce d'armure que j'ai déterrée. Un hôtel Lombax ? Vous pouvez compter sur moi. Merveilleux ! Une dernière chose, les hôtels ne s'ouvriront pas s'ils sentent de mauvaises vibrations dans le coin. Dans ce cas, tu devras d'abord faire place nette. Ok. Le premier est donné, je suppose. Comme toujours. Tu as trouvé un mystérieux orbe. Ces artefacts contiennent des enregistrements vocaux antiques. Quelqu'un sur Savali te donnera une belle récompense si tu les trouves tous. J'ai eu une discussion très bizarre ce matin. Kaden est venu me voir. Apparemment, le conseil a estimé que mon travail de cartographie de Savali méritait d'être approfondi. Je dois maintenant cartographier toutes les dimensions. Absolument toutes. Sauf que c'est sûrement impossible. Faut les trouver au pif ou... Ouais, apparemment. Ok. Ok, ok. Bon, bah on est reparti par là. Achetez chez Madame Zurkon, c'est l'assurance d'acheter de la qualité. Apparemment, il y a encore autre chose derrière. Ça n'en finit jamais. Est-ce que tu veux bien que je te pose une question en tant que Lombax? Bien sûr, pas de souci. Mais je te préviens, je ne suis pas vraiment expert en la matière. En fait, je suis le dernier Lombax de ma dimension. Je t'ai dit que je venais d'une autre. Je sais d'où tu viens. C'est vrai, ça? Je suis l'apprenti de Gary. N'oublie pas de parler droit à tes amis! Deuxième route machin. Ok, on en est là. On en est là. Tellement pratique pour aller plus vite. Et Ratchet, tu as trouvé mon apprenti. Je vous félicite tous les deux. Vous êtes prêts à pénétrer dans le temple de la montagne. Super! Allons faire. Vous êtes prêts émotionnellement parlant. Malgré tout, déjouer le redoutable système de défense du temple qu'on surnomme affectueusement le parcours des défis de la mort. Ah, carrément. Je déteste ceux de la mort. Vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. Bonne chance. Ah, c'est là-bas. Je croyais que c'était derrière lui. Ah, je suppose que c'est limité en temps. Oui, non mais si le chemin il suit pas aussi Vas-y, suis le chemin le plus vite possible. Ah, nous avons réussi. Le portail suivant est droit devant. Ok, je me suis arrêté parce que si à chaque fois il apparaît pas assez vite. C'est bon, on peut continuer. Bonne idée. Oh non.
C'est où? Ah, c'est là. Ah, mais il apparaît pas assez vite, votre chemin. C'est mal foutu, votre truc. Ah mais voilà, il apparaît pas le truc. Il y a foutage de gueule là. Faites pas un truc limité dans le temps si on peut pas démarrer directement dessus. Hein. Non mais... D'accord. Voilà, merci. Oi, oi, oi. Nous avons triomphé des épreuves. Merci. Je ne m'en serais pas sorti sans toi. Maintenant, on va essayer d'aider les moines. Sniper. Profite du brouillard pour ne pas te faire repérer. Ouais. T'es marrant, toi. Ne pas te faire repérer. Sauf que de toute façon, une fois qu'ils m'ont repéré... Enfin, une fois que j'en attaque un, je veux dire, ils m'ont forcément repéré. Ils sont là. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. Domination. Conduis-moi au terminal, que je libère les autres. Oh non, un virus Zeta. Si je me connecte au terminal, je risque d'être contaminé par le virus. Mon ami Glitch peut y jeter un coup d'œil. Juste une seconde. Ok, ni jeu avec Glitch. Oh là. Il est protégé par un champ magnétique, celui-là. Celui-là, ça va pas désactiver. L'amélioration est trop calant. Ça ne dit pas où est le chemin pour la suite. Par là.
Ça c'est d'où on vient. Oh putain. Oh bon sang. Ok, c'est par là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout la nausée. Ok, c'est le dernier. Nice. Rigolo ces petits jeux, mais pas. Vous avez sauvé. Un grand merci à tous. Il ne reste plus qu'un temple. Le fait d'avoir la tête à l'envers, machin, puis que le chemin soit pas clair, c'est pas. Pas foufou. C'est rigolo, mais c'est pas foufou. Plus qu'un temple. C'est le dernier. On va les. Alors le dernier. Bah c'était ça. Pourquoi il est toujours marqué? Pourquoi il est toujours marqué? Je te le promets. Pourquoi il est toujours marqué celui-là là? On dirait que ce câble conduit directement au bas de l'ampe. Je te l'ai dit. Tu ne devrais pas essayer de me trouver un surnom. Ou d'être mon... mon ami. Je te trouve beaucoup trop sévère envers toi-même. Tu n'en sais rien. Tu me connais à peine. Je sais que Gary te fait confiance et que les moines t'apprécient. Tu devrais peut-être donner une chance à l'amitié. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que tu voulais savoir sur les Lombax? Nous pensons que les Lombax ont utilisé, voire construit, les temples de la région. Sais-tu pourquoi ils les auraient construits? Pas vraiment, mais j'imagine que c'était pour garder l'existence du dimensionnateur. Le temple de la forêt primaire. Mon frère ne respecte rien ni personne. On va lui apprendre le respect. Ah, j'ai plus de balles. J'ai jamais de balles, c'est chiant. Hein. Ok, il me reste quoi?
vous inquiétez pas. Je vais vous faire sortir de là. Les moines sont prisonniers d'un autre champ. Ce système est très vieux et complexe. Je vais avoir besoin de temps pour désactiver le champ énergétique. Une tenue de position. Ça manquait. Je m'occupe de ces types. Je me dépêche. Les soldats arrivent par l'entrée principale. Oh, à moi de jouer. J'essaye de faire monter au niveau les trucs. Hein. On n'a jamais essayé ça. What? Oh merde. Je voyais sa barre de vie à elle, mais pas la mienne. Pourquoi la voix était différente d'un coup hein. Pourquoi ça tire plus? Ah merci quand même. Alors, j'ai plus de balles. Super. Déjà le gros est exposé, c'est déjà bien. C'était lui le plus embêtant. Ces boulons. S'ils venaient automatiquement, tous ces boulons. Je suis soulagé.
soulagé de vous voir en bonne santé. Mais nous avons besoin d'aide pour atteindre les archives. Ah, retrouvons-nous au village dans ce cas. Tout le monde vous donnera un coup de main. Vous avez réussi! Oh, merci à tous les deux d'avoir libéré mes frères. Gary, nous avons besoin d'aide pour accéder aux archives. C'est urgent. Pas de problème. Mes frères, on a une urgence dimensionnelle à régler. Pour pénétrer dans les archives, il faut être prêt à faire le grand saut, Ratchet. Je te conseille de prendre de l'élan. Ah. Oh, 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 pourquoi il a dévié d'un coup? Mais reste droit. Allez, pourquoi des fois elle tire pas celle-là d'arme? Je comprends pas. Et même tant qu'il fait des rebonds, je peux pas en tirer un autre, mais des fois il n'y a plus rien. Et là, tu vois, par exemple, je pourrais pas tirer. Alors qu'il n'y avait plus le truc qui faisait des rebonds. Ça, il est presque le niveau suivant. Hein. Bon débarras. Sur le elle a encore. Il y a un commutateur pour allumer le générateur. Oh, tu veux pas monter direct? Thank you.
Radicateur niveau maths, ça y est. Et vous êtes donc bien beaucoup là, d'un coup. Je commence à être à compte de tout là. Enfin, de tout ce qui marche bien quoi. Quelques boulons. C'est bon, il n'y a plus rien. Si, il y en avait encore 2-3. Le champ énergétique s'affaiblit. Ça y est, les archives sont enfin ouvertes. Dépêchons-nous d'entrer. Est en sécurité. Je reconnaîtrais cette écriture entre mille. Les Lombax. C'est une de leurs constructions. Mon père était le gardien du dimensionnateur. De l'original, en tout cas. Il a tout fait pour l'empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Désolé, papa. Est-ce qu'il te manque ? Les Lombax ? Ce serait compliqué, vu que je ne les ai jamais connus. Mais... oui. Ils me manquent tous. Je te comprends. Peut-être qu'un jour, tu les trouveras. D'abord, tâchons de savoir si on peut fabriquer le dimensionnateur. On peut ? Oui. Mais pour cela, il nous faudra utiliser la forge de la station Kedaro, l'endroit le mieux gardé de toute la galaxie. Ok, alors mettons-nous en route. KT-7-4. Ratchet, appelle-moi Kit. Je préfère ce nom. Entendu, Kit. Non ! On doit filer ! Nous devons protéger les archives ! Ce fut un plaisir, Ratchet. Je te l'avais dit, je ne suis pas une bonne partenaire. J'avoue, c'était intense, mais c'était aussi génial. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en sécurité avec moi. J'ai été conçue pour être une arme. Pour garder la galaxie de l'Empereur sous contrôle. Une nuit pendant une patrouille, j'ai surpris un rebelle dans la zone impériale. Alors j'ai essayé de l'arrêter. J'ai été fabriquée dans un but précis. Blessée. Ici.
ici, au moins je ne pourrai faire de mal à personne. C'est pourquoi je ne peux pas t'accompagner. Ah, cette mission, c'est bien terminé, non? Oui. Je suppose, en effet. Et si je me souviens bien, on avait dit que si cette mission ne virait pas à la catastrophe... Tu veux toujours faire équipe? Tu es vraiment très étrange, Ratchet. Je sais, on me le dit souvent. Partenaire? Peut-être. Juste cette fois. Oui. Je vais... Ratchet, merci pour ton aide. Pas de soucis. Maintenant, en route pour la station Kedaro. On néglige trop souvent les boucliers. Donne sa chance au vacu répulseur et regarde-le parer et renvoyer les tirs. Ça commence à faire beaucoup là. Que tu repasses pour celle-ci. Beaucoup d'armes et très cher surtout. 17 500. J'ai pas tout ça. Amélioration en approche. C'est débloqué, trésor. Fais monter ce bijou en niveau pour plus d'amélioration. J'ai 4 trucs. C'est pas assez. Ce n'est pas Allez, assez. Enchaîne, trésor. Oh, tu pars déjà? Voilà. Oh, il y a un boulon là-bas. Vas-y, let's go, il y a un boulon là-bas. Il y a des trucs à trouver là. On les a pas trouvés les machins qui ont... Il nous a demandé de trouver. Bah oui, oui. Merci. 7500 et c'est pas la dernière arme. Il va en falloir du boulon. Il va en falloir du boulon. Non, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Ok, alors est-ce qu'on trouve des machins là qu'il nous a demandé ou pas? Là, il y en a un. Alors, le câble d'alimentation, il est où? Oh, il est loin. Oh, il est long. Oh, qu'il est long. Ok, je l'ai eu. J'ai cru que je l'avais loupé le dernier. Tu as trouvé le larve. Joli. Maintenant, tu devrais écouter l'enregistrement. Ah. Que ça. Je vais juste avoir besoin du dimensionnateur que Kaden m'a prêté, d'un délai d'un an et trois semaines qui m'a déjà été accordé, et d'une absence totale de sommeil. Je m'y mets demain. Bon courage.
Ah, ça peut être marrant ça. Ok, alors, où est-ce qu'on en a encore? Si je me trompe de touche, ça fait pas. Si je me trompe de touche, ça ne le fait pas. Y a rien au bout. On va pas essayer de sauter, y a rien au bout. Oh, c'est quoi ça? Comme quoi, on fait bien de longer un peu les bords de carte. Hein. Ok. Allez, monte niveau 4. Monte niveau 4. Allez. Ah, il manque que dalle. Hein. Il manque que dalle pour l'avoir le niveau. Aujourd'hui, j'ai cartographié ma première dimension. Que du très banal. Sauf que les couleurs y étaient hyper vives. Et il y avait ces créatures aussi. L'une d'elles ressemblait même à un lombax, avec des oreilles plus petites, un masque, une canne, et j'ai l'impression qu'il était en train de faire un casse. Je sais pas trop, mais ça avait l'air cool. Une canne. Comment il s'appelle? Ah, j'ai le nom. Ah, je vais pas retrouver le nom là. Le voleur, le jeu sur PlayStation. Sly Cooper. Ça ressemble à Sly Cooper. Frère Lombax, les jambières sont à toi si tu parviens à me rapporter ces lorbes dont j'ai besoin. Ok, on va essayer de te les ramener. Hein. On va essayer surtout d'en trouver d'autres. Apparemment, il y en a 12. Donc, il y en a encore 9 à trouver. D'accord, super. C'est là-haut, comment je monte là-haut hein? Ratchet, merci pour ton aide. Pas de soucis. Maintenant, en route pour la station Kedaro. Ok, alors. Où est-ce que peuvent être les 9 autres? 9, ça doit se trouver. Quand il reste plus qu'un, bon, c'est plus compliqué, les 9. Il va y avoir moyen d'en tomber sur un ou deux quand même, non?
Ok, pourquoi ça s'enfuit ça? Je suis déjà au max, hein. Je peux pas appuyer sur L2 plus. Hein. Ok, le 4. On les écoutera après. Je me suis toujours demandé quel secret renfermait ces lorbes. On les écoutera après. Non, je me trompe de bouton tout le temps. J'ai envie d'appuyer sur R2 au lieu de R1. Ok, on ne sait pas ce qu'on cherchait, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Bizarre, on dirait qu'il y a un truc en dessous. Ça c'est déjà au mat ça. C'est bon. Voilà, celui-là il est vraiment super long. Vache. Nice, 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 ça c'est cool ça. Ah par contre ça m'a TP. Hein. Ah ça m'a TP définitif. Hein. On l'a déjà fait celui-là. Évidemment qu'on l'a déjà fait. Un truc là-haut. Si, il y en a un là. Il y en a un là-haut. Comment j'y vais? Mais il est déjà fait celui-là, je crois. Je crois qu'il est déjà fait. Ok,
Quoique. Mes frères n'en croiront pas leurs yeux en voyant tous ces lords. Hey, et si jamais tu arrives à m'apporter 4 lords de plus, j'aurai le plaisir de t'offrir le plastron assorti aux jambes. J'ai indiqué l'emplacement des hôtels restants. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bah oui, non mais. Il a bien là. Il est pensé. Alors comment j'y monte? Ah. Vu. Quel con. J'aurais pas dû en fait. J'aurais pas dû, hein. Ça le fait sans problème. Hein. Ok. Hop. Ouais, c'est quand même plus facile avec les emplacements. Hein. On va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a à faire évoluer ça? Je retournerai le voir quand j'aurai tout. Bien joué, frère Lombax. Je prépare le plastron immédiatement. Toi, tu n'as qu'à m'apporter tous les lords que tu as trouvés. Si j'ai pas accéléré, c'est qu'il y a une raison. C'est pas facile d'accès. Ok, 8. C'est quoi ça? On va retourner voir ça après. On va retourner voir ça après. Oui, il y avait une faille. Tu te fous de moi? Il y avait une faille depuis le début et je l'ai pas vue. Il est là ou il est en bas?
Oh, il y a ça. Il y a ça, attends deux secondes. Il y a tellement de trucs à faire partout. Là. Ok, ça va tranquille. Je n'ai rien à faire là, mais c'était cool. Enfin, si on peut dire que des ruptures de dimension sont cool, hein. Bon, par contre, les bottes, c'est tellement bien les bottes. Il va jusqu'où là? Ils vont m'attaquer eux ou pas? Oui, non? Apparemment non. Ces piliers me semblent différents des autres. Mais je ne sais pas trop quoi faire. Je pourrais tirer dessus. Ouais. Bien sûr. Ok. Il y en a un. Ça c'est fait. Il n'y avait pas un boulon marqué là ? Étrange. Étrange, j'avais vu qu'il y avait marqué un boulon d'or. Je crois qu'on se moque de moi. Bah il est là maintenant. Et il se promène en fait. Vas-y, fais voir. Me balader sur toute la map, lui.
vois pas trop la différence, soirée télé en fait. Ok. Ouais, c'est cool. C'est cool pour ceux qui aiment ça. Proche d'être au niveau max. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ok. Montée de niveau. Des boulons. Allez, on va récupérer les deux derniers trucs là. C'était pas la meilleure idée de tomber là. Je vais remonter maintenant. Ils sont bizarres ces piliers, il y a un truc. Il y a un truc ici. C'est chaud. Wow. Vas-y, chope-le. Super. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à trouver, à part la sortie. Ok, on est reparti. Ah, ça c'est bizarre ça. Ça je trouve ça bizarre. Ah. On l'a pas déjà fait celui-là? Bah si apparemment. Bah si tout à l'heure. Qui est couillon. Et qui est... Qui est couillon. Et j'ai loupé ça. On est venu à côté et j'ai loupé ça. D'accord. Comme quoi hein. On peut passer à côté des trucs sans les voir. Wow. A l'air chaud celui-là. Là. C'est un téléporteur, là, je sais pas ce que c'est, ce téléporteur. Ah, c'est pour ce...
C'est pour se re-TP au début. C'est ça? Non, je sais pas où on est où là. Ah si, c'est ça. Pour se re-TP au début, ok. Ok, nice. Ça c'est fait. Du coup, il nous manque 3 tenues, un boulon d'or et le petit robot. On va pas faire ça aujourd'hui en tout cas. On va pas faire tout ça aujourd'hui. Comme c'est pas indiqué sur la carte, s'il faut y chercher, on n'a pas fini. Quoi? Ah si, il peut nager. J'ai tout cassé les dialogues. Apporte-moi dans les lorbes restants. Mes frères et moi te remercions. C'était un honneur, mon frère. J'ai cassé les boîtes de dialogue. Elles se sont superposées. Ok, tenue du désert. Elle apporte quoi, la tenue du désert? Dégâts par les créatures indigènes réduits de 20%. Plus 5% d'XP gagné. Oh yes, vas-y. De toute façon, notre truc, il apporte rien. Plus 5% de rarité. Oh bah vas-y. On va faire un mythe, hein. Ah bah oui, non mais... C'est les bottes tous les deux, non? Il aurait fallu que ce soit le torse. Parce que le seul torse que j'ai, c'est lui. Du coup, ça fait un style assez bizarre. Hein. On n'a rien qui correspond. On n'a rien qui correspond. Et de deux dimensions. Celle-ci n'était pas aussi colorée, mais les créatures y étaient nettement plus étranges. Leur corps était constitué de vieilles reliques dont ils peuvent se défaire sans mourir. C'était complètement fou. Maintenant, je regrette de ne pas avoir demandé plus de temps à Kaden. J'aimerais trop en savoir plus sur toutes ces dimensions. Ouais, il se déplace de jeu en jeu, quoi. Enfin, de dimension de jeu en dimension de jeu PlayStation, là. Ça, c'est Knack, un jeu sorti au début de la PlayStation 4. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le Let's Play sur ma chaîne. Je l'avais fait en entier, en difficulté maths. Dans la troisième dimension, des cubes. Des cubes très, très intelligents. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais devoir arrêter de décrire chaque dimension, car il m'en reste un peu moins d'une infinité à visiter, et j'aurais pu en cartographier 32 depuis que je papote. Alors salut! Des cubes intelligents. Là, je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Bonne nouvelle!
la cartographie avance bien. Mauvaise nouvelle, visiblement pas assez bien. Car Kaden vient de me demander d'accélérer. Il n'a pas dit pourquoi, et comme il avait l'air stressé, j'ai pas insisté. Accélérer, comme si c'était facile. Heureusement que j'ai arrêté les enregistrements. Oh, mais je suis en train d'en faire un, là. Oh. Je sais que j'ai dit que j'arrêtais les enregistrements. Mais j'arrive à me libérer des créneaux de temps en temps. Je suis un génie, après tout. Dimension 31X7. Pas si différente de la nôtre. À l'exception de ces êtres. Le premier tirait au pistolet et tournait sur lui-même toutes les deux secondes. Tandis que le deuxième, juché sur son épaule, assurait les commentaires en direct. J'aurais trop aimé passer du temps avec eux. Ça, c'est Jack and Dexter, ça. J'ai enfin trouvé le moyen de cartographier plus vite. Kaden risque de me tuer, mais voilà. Au lieu de toutes les manipulations nécessaires pour utiliser les dimensionnateurs, j'ai transformé tout ce bazar en casque à commande vocale. Vu les résultats, il n'a pas intérêt à râler. Et s'il râle, je viendrai me plaindre ici. Dimension 242Y8, sûrement la dimension la plus mignonne que j'ai jamais vue. Ses habitants étaient constitués de laine, je crois, et pouvaient fabriquer littéralement n'importe quoi. Et puis il y avait aussi une voix agréable qui me suivait partout. C'était incroyable. Little Big Planet. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je cartographierai bientôt ma dernière dimension. Little Big Planet. Demain, je m'accorde une heure de sommeil en plus. Parce que j'ai fini, baby. J'ai cartographié absolument toutes les dimensions. Wouhou. Oh, j'ai trop hâte de voir la tête de Kaden quand je lui remettrai la carte. Et quand je lui dirai que je compte retourner dans toutes ces dimensions. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Bon, j'ai découvert pourquoi Kaden est aussi stressé ces temps-ci. Il se passe quelque chose de grave. D'assez grave pour qu'on ait besoin de cacher un maximum de Lombax. Et je suppose que mon travail de cartographie avait pour but de trouver la dimension parfaite pour nous accueillir. Alors, j'espère que j'ai pas raté mon coup. Ceci sera mon dernier enregistrement. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous n'avez malheureusement pas pu atteindre la nouvelle dimension avec le reste d'entre nous. J'en suis terriblement désolé. On essaie de réunir tout le monde, mais notre espèce est disséminée dans tout un tas de dimensions. C'est... Ceci n'est pas un adieu. J'ai laissé une copie de ma carte dimensionnelle dans les archives, et j'y ai indiqué notre destination. J'aurais aussi voulu vous laisser un dimensionnateur, mais bon, je peux malheureusement pas tout faire. J'espère que vous réussirez à nous retrouver. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rendre visite. Je m'appelle Max, et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. Ok, ok. Ok, ok. Du coup, beaucoup de zones qu'on n'a pas regardées. On peut pas mettre de marqueur s'il n'y a pas un truc. On va essayer d'aller par là. On va regarder un petit peu. Et lui déjà, là. Et non. Oh là. Ok, vas-y, avance. Le méca pirate. C'est quoi déjà celui-là? Réduit les dégâts de pirates. Ok, déjà j'ai vu un truc là-haut. Oui, bah non, pas tout de suite.
toi à ça. Ah. Génial. Ah. On est sur quoi là, sur ça? Des pirates. Ils rôdent dans le secteur. Merci de me prévenir. Je t'en prie. Ok, du coup, on a trouvé le robot espion. Il se trouve donc ici. Ça, c'est bizarre, mais apparemment, on peut rien faire avec. Comment je repars ? Ça marche pas au poil hein, votre truc. Hein. Ok. J'aimerais bien monter. Oh, carrément. Je n'apprécie pas qu'on me résiste, que l'on batte. Et je saute, hein. Je saute, hein, pourtant. Trouver autre chose, moi j'aimerais trouver le dernier boulon et le dernier boulon. D'ailleurs, c'est même tout ce qui nous manque, un boulon. Il nous manque juste un boulon. Je pense que plus tard il y a un truc hein, qui t'indique un peu tout. J'ai pas envie de faire ça à la fin du jeu, mais j'ai envie de faire ça maintenant. Plus je pourrai en faire avec vous, mieux ce sera. Ah déjà il y a ça. Là-haut, mais bien sûr, je me disais pareil, je me disais pourquoi pas mettre un truc là-haut, c'est tellement facile d'accès que pourquoi pas quoi. Carrément là-haut, quoi.
ça pour un truc. C'est même pas plusieurs, c'est un. Là, on y est allé, hein. Ouais. À moins qu'il soit là-haut. Bah non, parce qu'on est déjà là aussi. Ça c'est d'où on vient. Ouais bon, on va laisser tomber je crois. Il y reviendra une prochaine fois peut-être. Peut-être qu'il faut avancer dans l'histoire pour y avoir accès, je ne sais point. Celui-là, je peux pas monter. Je ne peux pas monter là-haut. On va pas tomber dans le trou, s'il te plaît. On va essayer de dévoiler un peu plus la map, mais bon, j'ai l'impression que on pourra pas faire bien grand chose. Soit faut avancer dans l'histoire puis on reviendra. Soit on aura un truc plus tard qui nous montrera tout sur la carte, je ne sais pas. Bref. Direction le vaisseau. C'est dommage, hein, il manque un boulon quoi. Juste un boulon, hein. C'est dingue. Hein. Enfin bref, on a débloqué les bottes. Ça, c'est bien. Si on les a avec Rivette aussi, ce sera la folie. Fiche des dégâts répétés. Ok. Lui, il est au max. Hein. Et ça, je peux le mettre au max aussi. J'adore démarrer une nouvelle.
nouvelle chaîne d'amélioration. On peut dire qu'avec ça, la fête bat son plein. Ça, c'est sûr. Lui, je peux pas. À ok. La prochaine. Oh, elle est pas mal, là. Elle est pas mal, hein. On est pas mal, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui de toute façon. Il nous manque que un boulon. Un satané boulon. Mais bon, on le trouvera une prochaine fois peut-être. Bref, sur ce, je vous dis ciao et à bientôt pour Blizzard 1. Allez, bye bye.